Lily, Henriette, Marcel, Marguerite, Bruno, Caroline, Robert, Lucette, Jean, Huguette, Charlie, Pierre et tant d'autres. Ils étaient ouvriers et salariés dans la région de Pouzauges en Vendée de 1935 à la fin du siècle dernier. Certains le sont restés, d'autres ont eu une promotion interne. Ils prennent ici la parole pour dire leur mémoire, leur histoire de vie travailleuse. Est-il possible d'être fier de son parcours professionnel quand on est un ouvrier ? N'a-t-on pas de savoir-faire aussi respectueux et indispensable que les gestes paysans ? N'a-t-on pas pris part à la réussite et au développement de l'entreprise ? N'a-t-on rien à dire sur sa vie au travail et sur sa vie en dehors du travail ? J'ai rien à dire d'intéressant. C'est souvent la première remarque des témoins quand nous commençons le collectage. Et pourtant. Alors, et chez Gauthier, vous êtes rentré, vous avez fait quoi ? Vous étiez. Le plaquage. Plaquage. Vous avez fait ça toute. Non. Mais plaquage, donc c'était ça. Alors, c'était ça. D'accord. Et alors, c'est quoi le plaquage ? Alors, le plaquage, c'est des feuilles de bois qui viennent. Et puis. Alors, vous avez les jointeuses qui. Alors, il y a de l'autre côté de ce bâtiment, il y avait, on appelait ça les massicots, ça coupe, voilà. Alors, suivant la dimension, l'armoire, suivant les dimensions de meubles. Ouais. Et nous, après, il y avait les jointeuses. C'est comme une machine à coudre, mais tu es dessus. Alors, les panneaux viennent, elles les prennent, vous enfilez ça comme une machine à coudre. D'accord. J'allais aussi à la ponceuse. Mais c'était une ponceuse à la main, il n'y avait pas la ponceuse électrique. Mais bon, j'aimais bien. Différent. Ah oui, puis j'adorais. Ouais. Mais même moi, c'était de l'or, en tout et pour tout d'ailleurs, ça tout a été, je peux faire n'importe quoi de mes mains. Bah, moi j'étais à la fin, derrière, moi j'ai débuté, je faisais en colleuse, je collais tous les morceaux avant qu'ils partent pour le montage, et puis après j'étais pareuse. Et pareuse, j'ai fait toute ma carrière de parage. Alors, tout, c'est, ben non, c'est pas quoi, tout. C'est parce quoi, que pareuse, je préparais avec une machine, j'amincissais le bord de la claque ou de la talonnette ou n'importe quoi pour que ça puisse être piqué facilement. Je posais des bandes en plastique et je les soudais avec une machine. Et après, j'ai fait de la WSK, c'est-à-dire je baquais tous les logos Patrick, toutes sortes de tout ce qu'il fallait mettre sur les chaussures, quoi, la décoration de la chaussure. Moi, au début, je triais des bouts de cuir qui étaient recoupés. C'était des chutes de sièges de voiture. Alors, il y en avait dans tous les sens. Puis, il fallait les mettre en paquet pour que le coupeur les recoupe. Là, j'ai attrapé des puces. Et donc, vous aviez trié le cuir, vous triez le cuir. Au départ, à Pouzauges. Ouais. Et puis, après ça, je suis parti coupeur. Au départ, j'ai fait la coupe. J'étais à la coupe des vêtements, mesure industrielle, on coupait les mesures industrielles. Ensuite, j'ai fait des placements. J'ai eu la chance de faire des stages pour pouvoir réaliser des patronages. Ça, c'est un patronage de parka que j'ai fait avec gilet amovible à l'intérieur. Quand le tissu était coupé, les vêtements étaient coupés, il fallait préparer, moi j'étais au pantalon, préparer les pantalons, les mettre un par un, on les roulait avec tout ce qu'il fallait pour faire le pantalon. Tous les morceaux. Oui, tous les morceaux, pour que ça s'en aille en chaîne. Moi, je suis rentré donc chez Gauthier pour faire mon apprentissage en 1976. Je sortais de troisième, j'avais passé mon BEP, pas mon BEP, BEPC, pardon. Et ensuite, je suis rentré comme apprenti chez Gauthier, donc en 1976. Et j'ai fini ma carrière chez Gauthier en 2020, ce qui fait que j'ai fait toute ma carrière professionnelle chez Gauthier France. Donc je suis ébéniste de métier, que je voulais bouger beaucoup. Donc j'ai fait un atelier qu'on appelait la PLV à l'époque. Et dans cet atelier, on allait monter les foires où il y avait tous les salons du meuble.
Donc il y avait salon du meuble en Italie, en Allemagne, en France, bien sûr. Donc, et on faisait, à l'époque, on aménageait tous les magasins de meubles. Donc j'ai fait ça pendant 5 ans. J'étais agenceur quand il y a eu les plans sociaux. Ouais. Et le service d'agencement, justement, a été supprimé après les 4 plans sociaux. Et une petite anecdote, j'étais prêt à agencer un magasin, La Samaritaine à Paris, boulevard Saint-Martin. J'étais prêt à faire le destin. Et mon responsable de l'époque m'appelle et me dit « Bruno, je suis prêt la dernière liste de licenciement. Écoute, il y a 2 solutions. Soit tu quittes l'entreprise, je te mets sur la liste, ou soit lundi tu iras travailler au montage. Tu as 20 secondes pour choisir. » Alors, j'ai dit, écoute, je vais aller travailler au montage lundi. Je ne connaissais pas du tout ce type d'atelier. Donc, c'est là que j'ai commencé à travailler sur les chaînes de montage. Ben, ça ne me plaisait pas trop. Et puis, il y a eu les élections professionnelles qui arrivaient. Et les gens de la CFDT cherchaient des délégués. Et ils m'ont proposé de venir avec eux sur la liste. Quand je suis rentrée, il n'y avait pas d'informatique. Donc l'informatique s'est lancée, on nous a envoyés en stage sur Paris. Parce qu'au départ, c'était des grosses machines, il fallait faire les sauvegardes tous les soirs. C'était complètement différent hein, que maintenant. Et petit à petit, on a évolué avec le nouveau matériel. Hein. On faisait du bœuf gelé, on faisait du pâté de campagne, on faisait de ski, on faisait du sable. On faisait de l'excursionnisme, c'était abominable à manger. Ça cuisait toute une nuit, et le lendemain matin, ça faisait du pâté. Et voilà. Voilà, ben, d'excursionniste. On faisait du corned-beef, on faisait des rillettes, on faisait encore du fromage de tête, on faisait de l'andouille de vire. Ah ben, on travaillait, hein. C'est étonnant s'il y a du chômage. Parce que pour une certitude qu'on était en faire combien 1300 boîtes à l'heure, on était 7 personnes. Il y avait 4 pour emboîter le pâté. Il y en a une pour mettre le couvert, ça faisait 5. Une pour sertir, ça faisait 6. Et une pour mettre en cage. On était 7 personnes pour une machine à faire 1300 boîtes à l'heure et il ne fallait pas perdre de temps. Mon travail consistait à désosser, trier la viande, parer. On faisait des rôtis et on travaillait pour d'autres services dans le même établissement. Pour faire des pâtés, pour faire des rillettes, pour faire des rôtis de porc. J'étais polyvalent, c'est-à-dire que moyennant donc une qualification différente, je pouvais aller travailler à l'abattoir, à la viande fraîche. Alors, la viande fraîche, c'est la coupe, quoi. Ou dans un autre service qui était le jambon blanc. Mais on était des polyvalents, on était une équipe, comme on dit, de choc à l'époque. Ouais, l'abattoir, puis on faisait l'abattoir des porcs, tout. Des porcs et des bœufs Oui, bœufs et porcs, quoi. Puis alors, je faisais le triage bœuf. J'étais dans cette double, je faisais triage bœuf, puis triage porc. Et ils étaient stockés à la couverture, en général. Oui, oui. Puis alors, après, on est monté sous la rampe qu'il y avait, vous avez entendu ça, là. Là, on est allé chercher. On a emmené à la Seigneur, vous avez connu la Seigneur, là. Puis là, au départ, et moi, au début, je faisais ça, c'était tout Merlin. Il a dit, l'autre, dès la tête qu'il mettait un masque, il a dit qu'il ne fallait pas le louper. Au début, on tapait là, puis après, on mettait un autre con. Puis on passait un genre de la tige. Puis après, il y a eu le Merlin automatique, là même. Donc on soudait, alors au début quand on est arrivé, je faisais des soudures sous caisse, sous la caisse. Oui. Donc alors tu te prenais plein d'étincelles dans les manches, dans les machins, ça te brûlait, c'était très agréable. Et après il y avait un tapis sur lequel la voiture avançait et fallait faire les soudures des portes intérieures. Donc nous dans la formation on avait appris à souder mais sur des choses, enfin des fixes, ouais. Qui ne bougeaient pas. Ah oui, là, c'est... Et là, il fallait souder tout en avançant. Donc voilà. Au début, ça a été périlleux. Hein. Il y avait des trous dans les soudures. Le soudier, madame, il y avait les carrosseries, les carcasses, c'était des montages en tubes.
hein, qui fait des formes qu'on voit un peu sur les images là. Et ben nous, il faut les couvrir ces tôles. Alors donc, faut les former les angles, faut, avec des maillets, on tapait dessus, ça faisait un bruit d'enfer. Hein. Mm. Allez, faut c'était les former, c'était tout manuel à l'époque. Ah ben c'était tout manuel. Ouais. Et il faut les souder, on soudait au chalumeau. Moi j'ai fait des kilomètres de soudure au chalumeau. Quoi. Et après, le chalumeau déformant les tôles, il fallait les redresser. Quoi. Mm. On avait des boules, des tas pour les redresser. Et quelquefois, il y avait des grands ensembles. Quand il y avait tout un avant de fourgon ou de car, ben, tout ça, ils soudaient tout ensemble. Alors pour les redresser, il fallait à des fois deux, trois gars qui tenaient le. Nous, apprentis, c'est ce qu'on faisait, on tenait les morceaux pour les gars, et après, il y avait des manœuvres qui nous aidaient à tenir ça. Après, on les mettait en place, on les agrafait, et bon, après, notre boulot, la tour était finie. Ouais. Quoi. Et je suis rentré chez Eliès, et puis voilà, j'ai rentré, et puis il y avait Marcel Deguy, le chef d'équipe, il me dit, qu'est-ce que tu sais de faire? Rien. Ben non, je sortais de la ferme, puis au Pas Saint-Fenwick. Ah ben j'ai dit ça, moi j'ai tout à aimer conduire, hein. Alors, bon, ben, j'ai dit, il me dit, ben, il est libre. Allez, me voilà parti, il saute sur ce sacré Fenwick. Ah. Oui, mais c'était pas si simple que ça. Parce que, il y avait, je sais pas combien de sortes de conteneurs à mettre les pièces. Citroën, Savième, Numéro, tout le bazar. J'en ai bavé avec ça. J'allais sur le parc, je ramenais, ah, c'est pas le bon conteneur, allez, demi-tour. Les paroles ont été collectées autour de 6 secteurs industriels. Les carrières de diorite de la Meilleraie, présentes depuis 1910 avec ses casseurs de pierre à la masse. Les usines Fleury-Michon à la Meilleraie-Tillé et à Pouzouges, créées en 1934 après le rachat des établissements Biré. La carrosserie Eliès de Cerizay a pris son essor après la Seconde Guerre mondiale. Les chaussures Patrick à Pouzouges et à Chavagnes-les-Redoux, créées en 1950 par Charles Beneteau. La confection, disséminée en petits ateliers sur presque tout le territoire, se développe dans les années 1960 avec l'arrivée du prêt-à-porter. L'industrie du meuble, avec notamment les établissements Gautier du Boupère, créés par Patrice Gautier en 1963. Dans les années 60, c'était le passage de l'agriculture à l'industrie. Il faut se rappeler que moi, j'ai commencé à embaucher, au fond, tous ces agriculteurs qui sortaient de tous ces ouvriers agricoles, car je me souviens encore, dans les années 60, à Pouzauges, vers les mois de novembre, où les ouvriers agricoles allaient se faire embaucher avec le ruban, c'est un ruban rouge, je crois, je ne me souviens pas trop, et ils allaient se faire embaucher. Et figurez-vous que moi, j'arrivais dans les années 62-63, où il me fallait des gens dès le mois de septembre. Et je me suis même fait menacer d'un coup de fourche parce que j'avais pris un ouvrier agricole. Bah, il ne fallait pas le prendre au mois de septembre, il fallait que j'attende le mois de novembre où il y avait le fin du bail. Donc j'ai pris tous ces agriculteurs qui étaient tout le monde, tous ces ouvriers agricoles, ce n'étaient pas des fainéants, c'était des travailleurs. Il y avait la conjonction, c'est vrai, de nous qui avions besoin de personnes, en même temps de l'autre côté de l'agriculture qui se transformait, il y avait un cocktail d'ensemble intéressant. C'est vrai, tout ce monde-là a beaucoup, beaucoup progressé. C'est peut-être ma plus grande satisfaction, il faut le dire au bout périen, que d'avoir amené des tas de gens comme ça dans des situations qui auraient sans doute ou peut-être eu difficilement si, dans le fond, il n'y avait pas eu cette usine ici. Alors, je suis rentrée au mois de mai 1974. Et c'est Gautier qui a répondu le premier, donc ben, je suis allée. C'était Marthe dans les moments, ma Marthe. Là, quand et vous étiez chez Gautier. Et en même temps, vous continuiez à faire le travail. Ah, ben, j'avais la ferme, mais mes beaux-parents m'aidaient quand même. Oui, parce que mais le soir, je faisais la ferme. Et puis le matin, quand je pouvais, j'allais traire les vaches. D'accord. Oui, on faisait la ferme. Vous avez été quand même une dizaine d'années à la fois ouvrière et paysanne. Oui, mais enfin, c'était l'ouvrière qui comptait. Oui, mais bien le soir, vous... Ah ben oui. Oui, mais moi, on était jeunes. Ouais, mais quand même, vous le faisiez. Oui, mais j'aimais. Vous faisiez des belles journées. Mais le soir, il fallait aller planter les choux, alors avec des... à la main, comme ça. Ah oui. Mais moi, je dis toujours que le travail ne tue pas. Moi, personne n'allait à l'école à ce moment-là. Mmh. On sortait à 14 ans. Bon. La seule chose que je savais faire, c'est que je ne voulais pas rester paysan comme mon père, parce que c'était une toute petite ferme.
Puis j'avais vraiment pas le goût de faire le paysan. Les ouvrières et ouvriers sont issus pour la plupart du monde paysan. Ils ont travaillé dans ces usines à la campagne du pays de Pouzauges à partir des années 50. Ils sont habitués à la pénibilité du travail paysan, aux longues journées, à la solidarité, à l'autonomie dans les décisions, à l'obéissance aux prêtres et aux notables. Pour les entreprises qui se développent dans les Trente Glorieuses, ils sont une chance et une aubaine. D'une part, cette main-d'œuvre paysanne travaille sans rechigner. D'autre part, elle accède ainsi aux biens matériels que la condition paysanne ne permettait plus. Le travail à l'usine et ses difficultés, ils en parlent. Quel était votre salaire en entrant? 1 franc 25 de l'heure. Ah ça, je me rappelle, ou 1 franc 15, je ne sais plus. Mais on était bien payés, hein. Oh. Comme ma mère disait toujours, ben, quand tu travaillais pas, les allocations donnaient plus cher que ce que tu rapportes. Puis les heures sup, tu étais payé combien d'heures? 25%. Bon, n'hésitez pas à les faire. Hein. En faisant les tiroirs, on fait toujours la même chose, puis avec la visseuse là. Oui. Alors je suis. Oui, mais il m'avait dit le docteur. Il m'a dit si vous demandez à changer de travail, et puis ça peut ne pas. Et j'ai changé de travail. Par contre, voilà où j'en reviens chez Gauthier. Vous pouviez me demander et ils vous acceptaient. Oui, d'accord. Et de là, ils m'ont mis à au magasin. Et le travail, c'était physiquement, ça allait? Ben, c'était dur, non? Dur, je sais pas, je m'en souviens pas. Non? Bon, ça m'a pas. Ouais. Non. Moi, j'aimais ce que j'ai fait. Ouais. Ce qui était dur, c'était le ponçage. Oh, cette poussière. Ah oui. Ah oui, alors là, cette poussière. Mais autrement, mais je trouvais que pour en finir, c'était pas plus dur que le métier de paysan. Hein. Ah ben, moi, quand j'ai commencé chez Gauthier, on travaillait tous les jours, je ne sais plus le nombre de jours, on travaillait le samedi matin jusqu'à midi, on faisait, je ne sais pas, des 40 heures par semaine, plus de 40 heures, je ne sais pas combien, j'ai pas regardé pour combien, mais on en faisait. Hein. Mais c'était comme ça. C'était comme ça. Par contre, je me souviens quand on est revenu à 35 heures, au départ, parce qu'après on l'a trouvé très bien, hein, on a fait comme les autres, on a bien pris nos 35 heures, mais on se disait quand même, on pourrait quand même bien travailler plus longtemps quand même. Est-ce qu'il y avait des puces? Oh là là. Mais quand ça venait de loin, hein. Et rien que les chaussures fourrées, la laine, faut voir tout ce qu'il y avait comme puces dedans. On a coupé ces petites talonnettes là. Vous mettiez votre peau comme ça, là, alors ça fait, il y avait du vent, puis vous voyez plein de saleté, là, avec le soleil. Tout ça, on a respiré, on n'a jamais eu de masque. On nous a dit que c'était de la merde. Qui traitait, autrefois, était en tout cas, vous respiriez cette poussière. Oui. C'est ça. Moi, je peux vous dire une chose. Bon, on était ouvriers, hein, on allait faire notre boulot, tout ça, mais je peux vous dire une chose. Moi, je n'ai pas tout le temps été heureux chez Patrick, hein, pas tout le temps. Heureusement que j'avais ma femme. Parce que j'aurais été tout seul, moi j'étais mort. Celui-là, il connaissait son métier. Il nous a appris un métier qu'on ne connaissait pas. Hein. Moi, toujours. Hein. On chargeait tous nos poussoirs à la main. C'était les petits madurins, on les chargeait à la main. Hein. Et puis la pâte était froide, il fallait plonger ses mains là-dedans. Puis après, on se lavait les mains dans l'eau, qui était très chaude, pour pouvoir se laver les mains, pouvoir enfiler les boyaux sur le cornet. Ben, c'était pas tellement ça, c'est pas étonnant qu'on a des rhumatismes aujourd'hui. Hein. Enfin bon, ben, c'est comme ça, on n'en est pas mort. Hein. Puis le père Tadeau, bon, ben, il ficelait ses fuseaux à une table, et puis il avait sa montre tout le temps, mais elle n'était pas comme ça, elle avait le machin comme ça, puis il vous contrôlait, c'est ce que vous faisiez, comme ça. On n'avait pas de rendement assuré, hein. Et puis si on faisait ça aujourd'hui, le lendemain il fallait en faire un peu plus. Si on y arrivait, le lendemain, il fallait encore en faire un peu plus. Mais il venait un moment que moi, j'en ai bavé, j'étais pas tout jeune. Mais les gamins qui commençaient, ça allait très bien. Mais nous, on nous avait mis, moi j'avais 27 ou 8 ans, au moment 28, oui, par là. Et on m'a mis directement comme ça à pousser. Mais c'est pas évident d'obtenir une cadence et puis de faire du bon travail en même temps. Hein. Mais il fallait y arriver quand même. Puis on y est arrivé.
Mais ça a été long, quoi. Quand il y a eu l'instauration du travail par équipe, ça commençait, les gens commençaient à... Bah, ils étaient mécontents, malgré les primes qu'on apportait, parce qu'il n'y a eu que les primes pour compenser le mécontentement. Oui. Du jour qu'on est parti travailler au Jean Brouland, c'est le travail en équipe. On avait très peu de temps pour... on avait droit à la pause pour le casse-croûte, mais on avait très peu de temps. On avait très peu de temps pour aller manger sur le coup de midi. C'était un self, et on avait 20 minutes. Ah oui, au lieu d'une heure. Oui, je compte pas le temps qu'on pour aller du poste, pour aller jusqu'au restaurant. Et ben, ça a tout cassé. Ça a tout cassé l'ambiance, et puis l'individualisation est arrivée comme ça. C'est vrai qu'autrefois, on travaillait, on pouvait quitter notre poste à n'importe quel moment pour aller au water. On avait même le temps de lire les panneaux syndicaux s'il y avait des informations. On pouvait aller au water et puis on revenait à notre poste. Et le travail se faisait quand même. Et le travail se faisait pareil, de la même façon. Ouais, ouais. Le chef, quand il m'appelait Lily, oh, c'était pour un bon truc. Quand c'était Louis, c'était déjà pas si bien. Quand il m'appelait Racco, alors là, c'était... J'avais tout cassé dans l'usine. J'avais quelques problèmes d'oreilles, parce qu'on n'était pas protégé les oreilles à ce moment-là. Ah oui. J'avais eu le médecin c'était le docteur Martin à ce moment-là qui était. Et bon, j'avais fait faire des audiogrammes, mais finalement, j'étais pas assez handicapé pour être. Avoir une maladie professionnelle. On travaillait à les trois, hein. On n'avait pas plus d'un mètre carré. Hein. Vous arriviez à vous concentrer sur votre travail ou c'était un peu... Surtout comme moi, quand j'étais au stand-up, puis les autres à côté, ah oui, quand tu parles... Ça ne devait pas être évident tout le temps, quoi. Oui, puis il y en a qui fumaient dans le bureau. Ah oui. Parce que pas beaucoup de jeunes voulaient rester en carrière. Je suppose qu'il y avait pas mal de poussière, ah ben oui, de oui, nuisances quand oui. même. Poussière, le bruit, oui. Ouais, ouais. Les camions, les vibrations, les... Selon l'entreprise, le travail est plus ou moins noble. Selon l'employeur et la présence syndicale, les droits sociaux ne sont pas les mêmes. Les comités d'entreprise, quand ils existent, sont plus ou moins riches. On voit même parfois quelques jalousies ou mépris qui s'expriment. Les pouilleux ou les rouges des carrières sont restés en bas de l'échelle ouvrière. Mon mari était vendéen, et puis l'usine on nous a embauchés du jour au lendemain, pour ainsi dire, et on est venu nous chercher là-bas. Enfin, vous n'êtes pas arrêté à Fleury-Michaud. La grosse bêtise qu'on a faite, malheureusement, dire, mais c'est vrai. Quand on a passé devant, on aurait dû arrêter. Qu'on aurait été embauché du jour au lendemain à Fleury-Michaud. Et alors ? Et moi, j'avais... Disons que la paye... Pourquoi c'était mieux ? La paye aurait été plus chère. Et la retraite, et après la retraite... On n'a pas ce que Fleury voit avec les voisins. On est loin d'avoir ce que les voisins ont. Et tu allais à l'école à pied, je suppose À pied, oui, à pied. Oui. On partait des carrières, la meilleure à pied. Alors que les enfants de Fleury Michon, on allait les conduire tous les matins en car. Nous, on faisait le chemin à pied. Nous, on nous appelait les pouilleux des carrières, les pouilleux voilà. des carrières. Les pouilleux. Les pouilloux, les pouilleux de carrières. Les pouilloux. Et puis Fleur et Michon, c'était un peu la classe au-dessus, quoi. Ah, ah au-dessus, oui. Ben oui. Ben oui, tu nous as dit déjà qu'ils avaient un quart pour venir à l'école, donc déjà ils étaient privilégiés par rapport aux enfants des carrières quand même. Oui, et ils remontaient à pied le soir, sauf quand il pleuvait, le quart redescendait les chercher. L'entreprise donc des carrières, vous aviez un comité d'entreprise, vous aviez des colonies de vacances, vous aviez quelque chose d'organisé. Colonies de vacances, on y profitait, moi, le Beaujournais et Saint-Nicolas de Brême. Ensuite, il y avait un arbre de Noël, mais c'était pas celui de Fleury-Michon, hein. C'était pas la même chose. On sent tout le temps cette petite animosité entre les deux. Il n'y avait pas les mêmes moyens, un chantier, ou ce qu'ils mettaient. Hein. Ouais. Il y avait à manger, il y avait les habits, les chaussures, il y avait les jouets. Nous, on avait uniquement les jouets et puis un paquet de bonbons, c'est ça. Puis un chocolat, ouais, c'est ça. Le développement de l'emploi ouvrier sur le secteur de Pouzauges s'est principalement fait avec les campagnes proches. Il y avait du monde. Deux exceptions pourtant. Les carrières de la Meilleraie ont dès le départ en 1910 fait appel à des travailleurs étrangers. Fuyant la misère et les dictatures, ils acceptaient ce travail de bagnard, casser des cailloux dans le trou.
Dans les années 60, Eliès assura son développement en allant chercher les Portugais en quart à la frontière de leur pays. Mais parce qu'il y a différentes nationalités, il y avait Portugais, Espagnol, Italien, Tchèque, même Polonais aussi, parce que Ségudin c'était un Polonais. Voilà. Ils étaient venus, ils étaient arrivés quand Ils étaient arrivés sous Franco, ceux qui ont, ils sont partis d'Espagne, d'accord. Après l'Italie. Mm-hmm. Et puis il y avait aussi la demande en main-d'œuvre, donc il paraît que certaines personnes allaient chercher les Espagnols à la frontière pour les ramener en France. D'accord. Donc la Cour des Miracles, elle se situait où déjà? C'est le quartier direct, c'était où était la copée, là, ça faisait un U. Où il y avait les habitations, oui, où oui, ça bien, regroupait oui. Une population en fait. Non, il y avait des habitations, je me rappelle, il y avait Manga, Lorca, Francisca, Cossis, qui était à la cantine, et puis la mère Chevolo, je me souviens de ça, étant gamin. Hein, on jouait, j'allais jouer avec le fils Chevolo là, dans la Cour des Miracles. Donc c'était que des étrangers ici. Et la Cour des Miracles, c'était, vous vous rassembliez, il y avait des activités, il y avait... Mais en face de la Cour des Miracles, il y avait un terrain vague là, ouais. Qui a permis de Corrières, c'était notre terrain de foot. Donc on se réunissait pour jouer au foot, et ici c'est une dizaine de gamins. Et là, il manquait de personnel. Et là, donc ils ont décidé de faire venir des Portugais. Mmh. On choisit les Portugais parce que c'était... un peu la même, culture. C'est la même culture, oui. Donc, ils allaient les chercher à la frontière et ils les amenaient là. Puis... Alors, au début, c'était dur, c'était que des hommes au début, avec des hommes. Alors, ils logeaient dans des petits logements, même dans des grands baraquements. Moi, j'avais visité une fois. C'était en bas où il y a la poste maintenant. Ouais. Il y avait c'était le vieil atelier, le premier atelier. Mais alors là, ils avaient fait des cloisons, des trucs à l'oreille. Ils avaient des garde-manger, c'était de soi à la pointe, tu sais, ils avaient des sacs et sa corse. Quoi. S'il y avait eu le feu là-dedans, c'était pas... Enfin ouais. Bon, ça s'est passé, à ce moment-là, on voyait au carrefour de Cerisaise, les week-ends, tout ça, et ils étaient groupés là, quoi. Mais ils sont nombreux, quoi. Ils sont nombreux, je crois que... À ce moment-là, au début, il y avait des hommes, quoi. Mm. Alors, tous les mois, ils envoyaient les pays là-bas, quoi. Alors, petit à petit, après, les femmes sont venues, hein. Alors là, ils ont commencé petit à petit à aller dans les HLM, ils trouvaient des maisons. Mmh. Ils étaient souvent des maçons, des trucs comme ça. Moi, je trouve que ça s'est bien passé. Hein. Nous, au niveau syndical, on a mis du temps, mais après, on a réussi à avoir quelques délégués. Mmh. Et là, à partir d'un moment, le contact était plus facile. Ouais. Les gens qui partaient pour le Portugal, parce que nous, on parlait pour le Portugal. Mmh. Puis eux aussi, ils ont pris le français. Quoi. Mmh. J'avais toute une période. Que c'est quand même une particularité de Cerisaise, quand même. Oui, il y avait. Je crois qu'il y a plus de 20% de la population. Oui, il y avait. Cerisaise, c'était la ville la plus portugaise de France. Ouais. Ouais. Pour loger les étrangers, les carrières ont ainsi construit la première cité ouvrière autour du trou. Les établissements Biré, qui deviendront Fleury-Michon, ont construit la seconde, juste à côté de l'entreprise. Pour loger ceux qui venaient travailler d'un peu plus loin que la Vendée. Elle a ainsi duré jusque dans les années 70. Donc je suis né 19 juin 1945 à la Maillerie, à Aucorrières. La maison se situait à 30 mètres du trou. Ensuite, je suis allé à l'école à la Maillerie. Est-ce qu'il y avait beaucoup de monde aux carrières? Comment la vie s'organisait autour des carrières? Il y avait des familles nombreuses, hein, des familles de 10 enfants. Ensuite, il y avait les carrières par elles-mêmes, c'était les tirs de mine, donc à midi et le soir. Donc la route était barrée entre la Copée et les quatre routes de Tillet. Alors je suis né ici en 1945. Les cafés, un café ici. Alors, Germaine Charbonneau, Maria Coutan, L'Oiseau, café. Roturo, anciennement Roturo, Gibiaste. La cantine. La Cour des Miracles. Les écuries. Les maisons des chefs. Jules Savoyard. Et Paul Vautreau. Autour de l'usine Fleury-Michon, il me semble qu'il n'y avait pas une cité ouvrière, il n'y avait pas des gens qui logeaient là. Exact.
Il y avait une cité ouvrière, mais les personnes qui y habitaient, quand il y avait, que ce soit dans les week-ends ou même les soirs tardivement, quand il y avait des arrivages, il fallait qu'ils étaient sollicités pour aller donner un coup de main pour sortir tout ça des camions ou des trains, parce qu'il y avait le train à l'époque. Ça pouvait être n'importe quelle heure À n'importe quelle heure, oui. C'était donc conditionné, quoi. C'est-à-dire, ils payaient certainement pas cher de location, mais par contre, ils étaient où? Ils étaient tenus. C'était dans l'obligation de travailler autrement. Et ces logements, ils étaient grands, ils étaient petits. Ouais, c'était petit, oui. Ils étaient ils avaient du terrain, ils étaient un tout petit peu de jardin. Un tout petit peu de jardin. Ouais. Ça se passait comment la vie à la cité, parce que les gens... Ah ben il y avait une bonne ambiance, hein, tout ça, les gens. Ouais. Des fois ça sanglait, je sais tout, mais tout, mais autrement tout le monde était main dans la main, franchement. Et les Wetter se trouvaient de ce côté-là. C'était jardin, faire le tour. Alors c'est là, je vous dis, l'ami. Quand il y avait les hivers qui étaient durs, parce qu'on n'avait pas de chauffage, il n'y avait rien. Alors on urinait dans un petit pot de chambre, puis le matin on se levait, mais c'était le pot de chambre, c'était de la glace, c'était un peu de glace. Au début que je rentrais, moi, il n'y avait pas d'électricité. Alors on s'éclairait avec une lampe à pétrole, après il y avait l'électricité, c'est venu quand, à peu près, vous vous souvenez? Ça, c'est du temps, je me rappelle, moi, c'est, voilà, on a été éblouis pendant le cyclisme. Il y avait des manèges qui venaient aussi, de temps en temps. Ah, ben l'Assemblée, non, ben, ben, l'Assemblée, oui. L'Assemblée, on appelait ça l'Assemblée de la gare. Vous appelez ça l'Assemblée de la gare? L'Assemblée, oui. C'était quoi, ça? Et il y avait les manèges, il y avait les... C'était des fois par an, en fait, ou... Ben ouais, il y avait des fois par an, il y avait le bal, il y avait... C'était à quelle époque, à quelle date, quoi? Vers le mois de juillet, on n'avait plus... Dans cette région rurale et catholique de Pouzauges, plutôt conservatrice. Il n'a pas été toujours facile pour le syndicalisme ouvrier d'exister. Revendiquer, c'était mal vu. Dans ce pays de Pouzauges, il y a aussi une histoire protestante avec des valeurs sociales et laïques. Il y avait aussi dans les années 50 les curés de la Jacques qui prônaient l'émancipation des individus. Une partie des patrons et le syndicalisme ont ainsi construit des rapports sociaux faits de paternalisme, de respect et d'avancées sociales. Les convictions républicaines et chrétiennes semblent s'être apprivoisées dans un syndicalisme majoritairement réformiste, comme la CFDT. En 72, ce que j'ai vu tout à l'heure, on a fait la grève. On a fait la grève parce que... on estimait qu'on n'était pas payé selon les conventions collectives. À la suite de ça, on a monté un comité d'entreprise et un syndicat. Et ça a changé, donc on a obtenu quand même la rémunération des gens selon leur capacité, selon leur poste de travail, à la convention collective. C'était quel syndicat ? CFDT. Et moi j'étais syndiqué à l'époque. Ouais. Et enfin, j'ai toujours été syndiqué chez Liège. Et on manifestait. Lui, il était anti-syndicat à 100%. On partait manifester. Tous les gars du bureau, ben, ils rigolaient de nous. On avait 1% d'augmentation. Eux, ils en profitaient. Ouais. Et ils débrayaient jamais. Nous, on perdait notre journée de débrayage. Et au début, j'étais délégué du personnel. Après, j'ai été au comité d'entreprise. Puis après, j'ai été délégué syndical. Moi, je suis devenu permanent là, pendant deux ans, où je faisais le lien entre les sections du groupe, mais je gérais aussi le syndicat de la métallurgie des Deux Ailes. D'accord. Puis j'allais en réunion aussi au niveau de la fédération, j'avais un rôle à jouer à la fédération de la métallurgie. Mmh. J'étais souvent parti. Quoi. Mais à ce moment-là, bon, syndicalement, on faisait toutes nos réunions le soir. Hein, moi, j'étais au bureau UD, au bureau du syndicat, bien sûr, toutes nos réunions hors de l'entreprise étaient le soir, c'est pas comme maintenant. Hein. Si j'avais pas été syndiqué, j'aurais fait comme d'autres, j'aurais devenu un chef, un petit chef sans doute, parce que la plupart des gens qui n'étaient pas syndiqués, c'est dans ma génération, c'est ce qu'ils sont devenus. Quoi. Mais moi, je suis devenu quand même responsable à la fin, sans renier mes convictions. 16 années de syndicat. Alors, j'étais à la CFDT. Mmh. C'est dans les années. J'ai commencé à militer dans les années 74-75. Et j'ai dû être
J'ai dû être délégué dans les années 75-76, jusqu'à 1991. Ce qui m'a plus frappé, c'était à l'époque de M. Chartier, mais là j'étais juste tout nouveau militant, donc j'étais pas au cœur de cette action. Il a été celui qui a osé dire il faut augmenter les cotisations sur la retraite pour protéger les futurs retraités à venir, pour améliorer leur retraite plus tard. Et à l'unanimité, les organisations syndicales n'étaient pas d'accord parce qu'ils risquaient de manger le pouvoir d'achat. Ah oui. Et tout compte fait, je crois qu'aujourd'hui, tout le monde peut dire merci M. Chartier parce qu'il nous a bien... Il nous a bien aidés de ce côté-là, et tous les retraités, je crois qu'ils ne regrettent pas leur retraite d'aujourd'hui. Après, on revendiquait tous les salaires, puis les classifications. On a eu même de gros combats dans les années 79, au niveau du Jambon Blanc, on a été 15 jours en grève, et ça n'a abouti à rien. Et vous avez connu d'autres périodes de grève autrement ? Non, pas spécialement. Non, mais ça n'empêchait pas que... Il y avait des moments assez violents avec la direction. Au niveau des salaires aussi, où la direction a minimisé les augmentations. Personnellement, ça a été mon action d'améliorer les conditions de travail et de vie de tous les salariés jusqu'en 1991. Après, j'ai arrêté. Je me suis retiré de l'organisation syndicale parce que, premièrement, je l'avais fait depuis plus de 15 ans. Je commençais à être saturé. Ce que je retiens, moi, c'est que si je n'avais pas eu la CFDT, je ne serais pas l'homme que je suis. Culturellement, j'ai appris énormément. J'ai vu plein de gens, plein de gens, que je n'aurais jamais vu autrement. Donc, le militantisme et la CFDT ont fait en sorte que, je peux le dire, hein, c'est pas banal ce que j'ai vécu, c'est pas banal du tout et j'en suis très fier. Donc il y a eu 4 plans sociaux successifs jusqu'en 85 et en 85 on est reparti avec 450 salariés. Alors c'était dans les années 85. Oui. Ensuite ça a été un peu mieux, on a été racheté là par un grand groupe d'engineering qui s'appelait à l'époque Seribo. Dans les années 90, et là après on a remonté gentiment jusqu'à 1000 salariés. Dominique Soulard, qui était directeur général de l'époque et qui faisait partie de, parce que à la base c'est une entreprise familiale, et Dominique Soulard était le beau-frère de Patrice Gauthier à l'époque. Le créateur. Donc Dominique Soulard a voulu à un moment donné se mettre en travers du groupe Seribo pour dire arrêtez, parce que force de nous prendre toutes nos économies, vous nous bloquez économiquement, sur les investissements, sur tout le social. Donc il s'est mis en travers de Seribo, à un conseil d'administration sur Paris. Et à l'ordre du jour de ce conseil d'administration, nous avons été très très surpris, parce que nous devions nous exprimer sur le licenciement du directeur général, Dominique Soulard, qui faisait partie, je dirais, de la famille qui a créé l'entreprise. Et qui était pour nous, je dirais, le maître d'œuvre et la cheville ouvrière de l'entreprise, et aussi qui était garant de nos emplois dans l'entreprise. Parce qu'en gros, c'est ce que tu as déjà dit un peu, c'est que Seribo vidait les caisses. Voilà. Vider les caisses de Gauthier pour s'en servir à... Pour racheter d'autres entreprises en difficulté, etc. C'est ça. Et elle n'avait rien à faire de l'avenir de l'entreprise localement. Voilà, c'est exactement ça. Dans le train, au retour avec Jean-Michel Carteau, on était 3-4 militants, on a décidé que, de retour au beau-père, on mettrait tout le personnel en grève et on expliquerait la situation. Car pour nous, il était inconcevable que notre directeur général s'en aille comme ça, qu'on le mette carrément à la porte. Et surtout, quoi, c'est ce que je viens de dire, c'était lui qui était garant de nos emplois et qui était garant aussi de la pérennité de l'entreprise. Donc pour nous, il était inconcevable que ce monsieur s'en aille. Donc on est arrivé au beau-père, ça c'était le 9 septembre 1999, donc nous sommes arrivés au beau-père, on s'est partagé le travail avec Jean-Michel. Moi je suis allé sur le site de Chantonnay, j'ai fait arrêter tout le monde, Jean-Michel a fait arrêter tout le monde sur le beau-père, et on a fait des grandes assemblées générales, et on a expliqué aux salariés ce qui se passait et ce qu'on voulait. Donc le but il était simple,
On voulait simplement que faire en sorte que Dominique Soulard réintègre l'entreprise de suite. Et qu'on trouve des solutions pour que Ciribou baisse un peu son empreinte sur Gautier. On a fait 18 jours de grève. Et au bout de 18 jours de grève... Grève totale. Oui, grève totale. Il n'y avait personne qui travaillait, ouvriers, cadres, on était tous la main dans la main. D'ailleurs, c'est une belle histoire parce qu'il y a eu un bel élan de solidarité. Parce qu'il y avait 1000 personnes à l'époque. Hein, les 1000 personnes étaient sur le site du Poupet. Il fallait que les 1000 personnes y mangent. Donc, Fleury Michon nous envoyait des camions de bouffe. Sodebo nous envoyait des sandwichs et des pizzas. C'était impressionnant. Les boulangers du Poupet ont fait du pain, mais on ne payait rien. C'était gratuit. Pendant 18 jours, on a fait grève et on a vécu sur une très grande solidarité. Hein, avec des ouvriers qui font grève pour sauver leur patron. Voilà, c'était ça. c'était du jamais vu. Même moi, puis moi et Jean-Michel, politiquement, on a dû s'expliquer à la CFDT pour dire comment ça se fait que la CFDT monte en première ligne pour faire réintégrer un directeur général. C'était du jamais vu. La finalité, Dominique Soulard a été réintégré et on lui a permis de racheter Gautier. Ouais. Donc, pour racheter Gautier, il fallait du financement. Donc, c'est là aussi, il y a une solidarité des industriels vendéens, Fleury Michon à Milopo, Sodebo à Milopo. Donc, Dominique Soulard a pu racheter la société. Pendant 18 jours, c'est nous qu'on était les maîtres de la maison. On avait créé des commissions. Voilà, il y avait une commission communication, il y avait une commission qui était chargée de préparer le travail après, de préparer la remise en route de l'usine, il y avait une commission sociale, on était 4-5 commissions, et c'était nous les qui présidions ces commissions. Donc on était les patrons de la boutique pendant 18 jours. Et pour l'anecdote, mon copain Alban, il avait récupéré les clés de la voiture à Dominique Soulard, parce qu'il avait une voiture de fonction, Dominique Soulard à l'époque. Et Alban, au moment où il a été licencié, le premier jour de grève, il avait récupéré les clés. Et quand Dominique Soulard est revenu ce fameux jour, ce fameux matin, Alban lui a redonné officiellement ses clés de voiture en lui disant « Tu es réintégré ». Ça n'est qu'un mystique. Dans les années 70, les ouvrières et ouvriers représentaient la majorité de la population active dans le pays de Pouzauges. Aujourd'hui, Eliès, Patrick et les ateliers de confection ont disparu en quasi-totalité. Ces ouvrières et ouvriers, par leur savoir-faire, leur disponibilité, leur courage dans le travail, mais aussi parfois dans le conflit avec leurs employeurs, ont permis la réussite de leurs entreprises. Et ils en sont souvent très fiers. J'ai eu du chagrin de partir. Oui. J'ai eu du chagrin de partir de l'usine, hein, madame, oui. D'ailleurs, quand j'ai fêté mon départ, eh bien, madame Chorty pourrait vous le dire. Ah oui. Donc vous avez été heureuse à travailler alors. Oui, d'abord. À l'arbre de Noël, ça c'était tout le monde. Tout le monde en parle. Personne ne respirait. C'était l'arbre de Noël. C'était la fête. Et je vois dans toutes loges, eh bien, tout le monde enviait les ouvriers qui en avaient chaud. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi de la période florissante, hein, où il y avait les sportifs, où il y avait du bon monde à passer? Parce que chez Patrick, c'était quand même des chaussures de sport. Ben, un dimanche, on a été convoqués, plusieurs ouvriers, donc j'en faisais partie. Un hélicoptère est arrivé avec Kevin Keegan. Un dimanche. Et on est allé travailler une heure pour lui. C'est qui? À Pouzauges. Non mais Kevin. Kevin Keegan, un footballeur. Ah ouais, oui. J'ai des chaussures en. Oui, la chaussure en peau de kangourou, on a fait pour lui. D'accord. Voilà. Et on a travaillé une heure un dimanche pour être avec lui. Il nous des écussons sur les blouses, mais les blouses sont usées. On avait sa signature sur nos blouses, on était contents. Oui, là, on a passé un très bon moment. Et on est passé d'autres. On a vu Kevin Keegan, on a vu Poulidor, on a vu les frères Spanghero, les rugbyman. Ouais. Michel Platini, footballeur, naturellement. Parce que lui, on a fait de la chaussure pour lui. On en a fait pas mal. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre encore? Il y avait un...
C'est qu'on en a vu, hein. Il y avait un cycliste belge, Morellon. On en a fait Mormelon, un truc comme ça. Mormelon. On en a fait. Morellon. Hein? Morellon. On en a fait pas mal. Un cycliste qui avait été champion du monde sur piste. Sur piste. Et on en a fait. Mais on a vu pas mal de personnes, mais alors pour dire tous les noms, je m'en souviens plus. Et vous, vous suivez toujours? Gauthier? Ouais. Non. On ne peut pas suivre, on est parti. Non, mais vous. Il y a. Comment dire. Alors, une association des anciens Gauthier, oui. Il s'appelle Arega. On en fait partie. On fait partie qui veut, cotise qui veut. Alors, qui fait quoi? C'est juste pour se retrouver. Donc, pour se retrouver. Pour en finir, Dominique, c'est un patron comme. Presque un père. Un père usinier d'usine. Hein. Oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Tu le voyais dans l'entreprise. Il passait, il parlait à toi, et puis voilà, il s'occupait. Bon, ah oui, oui.